Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour cette édition BookTube, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui, somme toute, semble assez controversé. C'est un grand classique. Je crois, je suis pas certaine, mais je crois que la plupart des gens vont avoir une impression, une première impression face au titre de ce livre-là. Des fois, vont se laisser emporter, vont résister beaucoup, beaucoup à ce titre. Je ne sais pas si les personnes qui l'ont lu, le livre vraiment, résistent encore au titre. Parce que le fait de lire le livre, ça aide à comprendre ce titre qui est assez explosif, je pense. Ça vient chercher, là, dans les tripes. Donc, je vous parle de ce grand classique de Thomas d'Azambourg qui est Cessez d'être gentil, soyez vrai. OK? Souvent, quand je vois des personnes réagir à ce titre-là, ils vont dire, ben là, c'est correct d'être gentil. Si on est gentil, ça veut pas dire qu'on n'est pas vrai. C'est quoi ça? C'est quoi ce titre-là? Voyons, ça a aucun bon sens. Pourquoi? Pourquoi un titre comme ça? Puis il y a beaucoup, beaucoup de résistance. En fait, ce livre-là, qui est magnifique, vraiment un beau grand livre, nous parle de sortir de cette dualité. Sortir de cette dualité qui dit, ben, pour être gentil, je dois garder mes opinions pour moi. Je dois ne pas faire de vagues. Je dois être le droit chemin, le chemin majoritaire. Je dois pas déranger. Je dois pas faire trop de bruit. Et en fait, ce que ça fait au final, quand on vit dans cette dualité-là, c'est que qui on est soi-même, ben ça fit peut-être pas dans la petite case fancy toute très très restrictive de ce que c'est être gentil. Une personne qui est gentille ne se met jamais en colère. Une personne qui est gentille est très 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 serviable, dit toujours oui, bien sûr. Une personne qui est gentille, c'est une personne qui sourit tout le temps. C'est une personne à chaque fois qu'on la voit, elle va avoir le bon mot, le bon geste pour pouvoir nous aider, nous faire sentir mieux. Ça ne laisse pas de place, en fait, pour être vrai, OK? Pour avoir une mauvaise journée, pour dire non de temps en temps quand on ne peut pas, pour être en colère des fois, pour vivre de la tristesse, pour ne pas avoir les mots pour aider quelqu'un parfois quand la personne aurait besoin d'aide. La petite case restrictive de ce que c'est une personne gentille ne laisse pas place à l'humanité. Ça crée de la pression. Ça met de la pression. Ça crée de la frustration. C'est difficile sur l'estime de soi. Quand on cherche, moi, je veux être une personne gentille. Je suis une personne gentille. Donc, c'est mon identité et peut-être que je vais accepter l'inacceptable parce que je suis une personne gentille. C'est pas sain. C'est pour ça, ce titre-là. C'est magnifique. Moi, j'adore ce livre-là. C'est probablement une vieille, vieille édition, là. Ça fait longtemps, longtemps que j'ai ce livre-là. Être avec les autres en restant soi-même. Ne pas s'ignorer, ne pas se faire du mal juste pour être aimé. C'est un livre, c'est vraiment une base. C'est vraiment une base selon moi. Ça fait depuis 1997 que j'accompagne des personnes en tant qu'intervenante sociale. Je vous dirais, quand je rencontre les gens puis qu'ils me disent, manifestement, t'aimes lire, Stéphanie? Oui, j'ai plein de livres autour de moi, toujours. Il y en a partout dans la maison. Est-ce que il y a une base? Par où je commence? OK? Pour l'exploration de soi, pour améliorer mes relations, pour mieux me connaître. Mais il y a des livres de base. Il y a la fondation solide sur laquelle on va construire avec d'autres choses ensuite.
Et ce livre-là fait partie des livres de base. Vraiment, là, dans toutes les bibliothèques, au minimum, il devrait avoir ce livre-là. Il y en a d'autres comme ça, mais lui, vraiment. Donc, je vous ai sorti, vous voyez mes post-it, j'ai sorti quelques éléments ici que je trouve intéressants. Première chose, Thomas nous parle du système binaire et de la dualité qui nous cause tellement de troubles dans la vie. OK? C'est bien, c'est mal, je suis heureuse ou je suis triste. Je peux pas être entre les deux, j'ai pas le droit. C'est un ou l'autre. Choisis ton bord, choisis ton côté. C'est la tête ou le cœur. C'est tout le temps, c'est l'homme ou la femme. C'est l'amitié ou l'amour. C'est je t'aime ou je te déteste. C'est toujours. Il y a les ondes, les nuances, là, toutes les belles couleurs, les belles nuances de l'arc-en-ciel ne sont pas dans la dualité et dans le système binaire. OK? Donc, ce livre-là nous parle de ça aussi, de dire il faut sortir de ces petites boîtes-là qui disent je suis ça ou je suis ça. Et si je ne fais pas ça, ben je suis pas ça, je suis telle autre chose, puis je veux pas être telle autre chose. Donc, à ce moment-là, je vais agir peut-être contre mes valeurs parce que je veux être ce que je veux être. Et ça ne tient pas compte de l'humanité, de l'humanitude, du fait qu'on est des êtres humains. C'est encore là, peut-être pas une dualité parce que je crois aux deux, mais l'être humain est tellement, tellement, tellement simple et tellement, tellement, tellement complexe à la fois. Tu peux pas avoir un ou l'autre. C'est les deux. C'est ça qui fait une expérience complète. Un ou l'autre, c'est incomplet. Quand on vit l'expérience complète, quand on a des bons jours puis des mauvais jours, on a des hauts puis des bas, on a des grands moments de joie, de victoire, de succès, on a des grands moments de désespoir, de tristesse, de rage, c'est ça qui fait une vie et une personne complète qui s'assume, qui est authentique, qui est elle-même. Donc, c'est vraiment un livre qui va nous aider à sortir de cette dualité-là. Donc, c'est ça, Thomas commence et il nous parle avec cette espèce de dualité et de système binaire qui fait que on a tendance à se mettre dans des petites cases. Est-ce que je suis introvertie ou extrovertie? Est-ce que je suis une bonne personne? Si dans ma vie, par le passé ou en ce moment, j'ai déjà fait quelque chose ou j'ai dit quelque chose dont je ne suis pas fière, est-ce que ça veut dire que je suis pas une bonne personne? Et puis là, c'est là, des fois dans ces moments-là qu'on dort pas de la nuit, on fait de l'insomnie, on tourne, on tourne. On sait plus. On sait plus qui on est. On sait plus si on est une bonne personne parce que une chose qu'on a dit ou qu'on a faite, la paix se trouve dans l'expérience complète. La paix se trouve dans le fait d'être soi-même, de savoir qui on est et d'être soi-même et de bâtir des relations sur une authenticité, sur l'honnêteté de qui on est. Ça, c'est une base solide pour une relation. Quand on est gentil pour faire plaisir à l'autre, c'est correct de faire plaisir à l'autre, mais quand c'est exclusivement pour ça et qu'on se fait du tort à soi-même en faisant ça, nos relations ne sont pas tant solides. Parce que même si ça vous fait plaisir, même si ça a toujours été comme ça, il y a en quelque part peut-être creux, 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 ou peut-être à la surface, proche, proche, des frustrations qui se construisent parce qu'on ne peut pas être nous-mêmes. Donc, cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas pour nous chicaner qu'il nous dit ça, Thomas. C'est pour nous bousculer, pour nous choquer, pour dire, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je fais ça, moi? Attends. Et de se questionner, pas pour se juger, mais pour voir ici maintenant qu'est-ce qu'il y en est.
et comment je peux changer si je veux. Donc, je vous ai mis un autre post-it qui est vraiment intéressant. C'est une technique de Thomas d'Anzembourg que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous lire un petit bout, OK? Il nous parle un petit peu du changement là-dedans, de dire que peut-être que par le passé, vous avez toujours dit oui à quelque chose. Puis là, cette fois-là, vous dites non. Puis là, ben, pourquoi tu dis non? Puis pourquoi je dis non? Non, on se pose la question parce que on a toujours dit oui. Puis là, on commence à dire non. Puis là, on se pose des questions. Mais en fait, la vie, la planète, les êtres humains, les relations, tout est changement tout le temps. Donc, ça se peut que je change d'idée un jour. Ça se peut que je change mon approche, ma façon d'être dans mes relations. On est toujours en mouvement. Ça se peut que je change. Donc, Thomas nous dit, au fond, la seule chose qui soit constante, c'est le changement. Il nous dit ça comme Bouddha nous l'a dit avant. Tout le reste est provisoire, précaire, saisonnier. Tout est processus, tout est mouvement. Deux points. Nouvelle lune, lune montante, pleine lune, lune descendante. Marée haute, marée basse. Printemps, été, automne, hiver. Naissance, vie, mort. Ouverture, mouvement, fin, en musique, par exemple. Avant-propos, thème, conclusion. Enfance, adolescence, âge adulte, grand âge. Débutant, amateur, spécialiste, expert, prix Nobel. OK, il y a des étapes. Graines, germes, pousses, plants, plantes. Éclosion, maturité, fruits, graines, germes, pousses, plants, plantes. Éclosion, maturité, fruits, graines et à l'infini. Donc, Thomas, ce qu'il nous propose, c'est quand on a des moments de stress où est-ce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, nous sommes en train de changer ou quelque chose est en train de changer autour de nous, il nous propose de nous répéter quelquefois à voix haute, graines, germes, pousses, plants, plantes. Graines, germes, pousses, plants, plantes. Juste pour se rappeler, c'est normal ce que je vis. Ça change, ça bouge. Et quand on pense à graines, germes, pousses, plants, plantes, on se rappelle qu'on a des racines. On ne va pas s'envoler dans le néant. On a des racines. On a une base, une fondation solide. Malgré le changement qui arrive, on va peut-être être bousculé, on va peut-être être dérangé, on va peut-être se faire brasser. Mais si nos racines sont solides, ben on va faire graines, germes, pousses, plants, plantes. Merveilleux. J'adore ce livre-là. Donc, c'est un livre vraiment, vraiment intéressant. Regardez, il nous met les listes des besoins, les listes des valeurs, la liste des sentiments qu'on peut vivre, qu'on peut avoir. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, d'informations pour nous aider à explorer et nous aider à arrêter d'être gentil et d'être vrai. Quand je suis contente, je suis contente. Quand je suis pas contente, je suis pas contente. Quand j'ai une mauvaise journée, ben j'ai une mauvaise journée. Quand j'ai une bonne journée, j'ai une merveilleuse journée. Et tout ça, c'est OK. Cessons d'être gentils, soyons vrais. C'est ça veut dire. Donc, si vous avez écouté cette vidéo-là et que vous vous posez encore des questions, puis vous réagissez encore fortement à ce titre-là, ben je vous invite premièrement, à peut-être aller à la bibliothèque et lire le livre. Regardez pas la couverture, lisez le livre. Puis voyez qu'est-ce que ça vous dit après. Et si vous l'avez déjà lu, puis ça vous fait réagir pareil, ben, je vous invite à laisser dans les commentaires un petit peu votre interprétation de ça, votre perception de ça. Parce que vous savez que nos perceptions et nos interprétations sont ce qui sont le fondement de notre réalité, de comment on voit la vie, de comment on se voit soi-même, comment on voit nos relations, ça vient tout de nos perceptions, de nos interprétations de ce qu'il y a autour de nous, de ce qu'il y a en soi et de nos valeurs. Est-ce que c'est en cohérence avec nos valeurs ou pas? Donc, c'est intéressant d'explorer la question. Parce que si un livre vous fait réagir, soit que vous n'aimez pas le titre puis que ça vous fait réagir, ou que ça vous fait réagir comme moi, c'est un de vos livres préférés, c'est un classique,
c'est un must. Mais ça n'a rien à voir avec le livre. Thomas d'Azambour, extraordinaire auteur, là, pas de problème avec ça. Mais ça n'a rien à voir avec le livre. Ça a à voir avec la façon que chacun de nous, on reçoit le livre. Et qu'on l'accueille, qu'on l'interprète et qu'on le comprend, ce livre-là. Donc, c'est en soi qu'il faut regarder. Pas nécessairement ce qu'on a devant soi. Donc, je vous laisse mijoter là-dessus. Et si ça vous tente, ben vous pouvez vous joindre à mes réseaux sociaux, là, Vivre à coup de cœur. Je suis un peu partout, donc la communauté Facebook, où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entraide, une belle, belle communauté. J'ai trois groupes aussi sur Facebook, donc j'ai LinkedIn, Instagram, YouTube. Je suis un petit peu partout et je suis très présente partout, partout, parce que j'aime ça échanger avec vous sur tout ce qui est bien-être et santé mentale. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vais mettre tous les liens des réseaux sociaux dans la description sous la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!